Plus je vous parle, puis plus vous avez cette tique, plus je comprends qu'est-ce que mes coachs et mes mentors me disent d'un coup. John, qu'est-ce que t'en as fait des gens qui ont un affilié? Mais vous savez, c'est le sentiment que je suis en train d'avoir pour les sceptiques, pas pour ceux qui sont membres ou ceux qui vont devenir à l'instant, mais pour les gens exactement comme vous qui a regardé ce vidéo blog ici. J'arrive pas à croire. As-tu vu comment ils viennent nous parler? C'est quoi? Toi qui crois pas, je m'en fous. Parce que Noé, quand il avait bâti l'arche, il avait bâti dans un endroit extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, pas au bord de la mer, dans sa cour. Noé est rentré avec sa famille, même les gens qui ont travaillé avec Noé pour bâtir l'arche, les gens qui ont engagé, parce qu'ils ont entrepris, pour bâtir cette famille, où les animaux sont enlevés de père, mâle et femelle. Ta famille est rentrée, ses employés ne sont même pas rentrés. Ses voisins ne sont pas rentrés. Personne n'a cru qu'il y a un déluge qui arrivait. Personne n'a cru. On doit se dire, lui, il se prend pour un préfère. Ok, good. Une semaine, avant que la première pluie tombe, le concepteur d'une verre à Noé rentre toi et ta famille. Les animaux sont tous là. On ferme la porte. Blue. C'est le concepteur de l'élevage qui a fermé la porte. Et vous savez quoi? Pendant une semaine, tout le monde riait. Tout le monde qui a dit, ouais, comme ils sont fous, ils sont en train d'étouffer. Les animaux doivent faire tous leurs besoins. Regardez dans l'arche. Oh, ridicule, ridicule. Yeah. Jusqu'à temps que tout. C'est normal, ça va l'enjeuner. Quand la pluie est arrivée à leur jour, non, à leur chute. Oh ben non, ben non, c'est bon. C'est bon pour les gars. Pour le garçon. Ensuite, quand l'eau est arrivée à leur jour, c'est bon, c'est correct. Les rivières étaient déjà. Ça a créé de nouvelles rivières. C'est magnifique. Ok, good. Quand c'est rendu à la tâche, c'est bon, on n'a pas besoin de se pencher pour se laver, hein. C'est juste envoyer l'eau comme ça, ça va être plus rapide. Ok, quand ça arrive à leur poisson, et Noé, mon frère, si tu ouvres la porte pour moi, il m'a arrivé, il pleut dehors. Et c'est arrivé sur mon bien, c'est des doigts. Et j'aimerais bien aussi la lâcher. Noé aurait voulu ouvrir pour ses employés, ouvrir pour ses voisins, ouvrir pour tous les gens qui commençaient à précipiter dans l'arche. Mais le concepteur d'hiver qui avait scellé la porte lui-même s'est arrangé pour que ce soit fermé et qu'on ne puisse pas l'ouvrir. Ok, good. Maintenant, pensez au plus de riches. Ce consortium qui est cette arche. D'où ce vidéo blog est long. Vous savez pourquoi? Parce que vous voulez que ce soit fait. Bon, c'est vrai pour moi. Sauf par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde est mort, noyé. Comme des sceptiques qui écoutent ces vidéos blogs, quand je vous dis soit riche ou mort pauvre, vous savez quoi? Rappelez-vous, quand l'essence va être à 1,79, rappelez-vous de l'arche qui est fermée. Parce que là, vous allez courir dans le club des riches. La porte va être fermée. Et vous savez quoi? C'est quand vous allez être dans le malheur, quand la terreur vous saisira. Quand le malheur fondront sur vous, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Vous voyez, tous ceux qui rient aujourd'hui ne riront pas demain. Rappelez-vous, à partir du moment où vous voyez 1,79$, il est déjà trop tard. Vous êtes mort pauvre, finito, nada niet. Comment c'est l'information? Coach et mentor, en exclusivité. Puis il y a d'autres choses avant ça qui arrivent. Biochip, New World War. Vous connaissez toute la famille. Si vous ne savez pas, on est membre. Mais vous savez quoi? Si vous êtes prêt, si vous avez des doutes, je veux rien savoir. Fermez vidéo blog. N'allez jamais sur le site lequipderiche.com. Je ne veux jamais voir votre nom s'inscrire sur aucun test à eau. Dès que vous voyez mon nom sur l'internet, vous disparaissez. On n'a pas besoin de gens comme nous.
On a besoin des gens qui ont de l'intelligence. Des gens qui ont un cœur intelligent. Si vous êtes sceptique, vous êtes un ennemi. Parce que si vous n'avez pas encore compris, on est en guerre. Alright? Et tu guerres. C'est quelqu'un qui va arrêter de parler. Jamais. Jamais. Parce que même le lendemain de ma mort, ces vidéoblogs vont être là. Puis vont être une persécution pour vous. Parce que tout votre entourage va parler. Oh, tu te souviens? Il y avait des vidéoblogs d'un peu qui nous avertissaient que ces moments durs allaient arriver. Ouais, ils sont arrivés. Vous voulez de la transparence. Je suis là. Vous voulez me tester? Devenez moi. Venez voir. Essayez. Aucun psychologue peut vous aider. Là, tous les départements psychologiques capotent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, on vous guérit sans antidépresseur. Okay? Aucun médecin pédagogue peut vous aider à sortir de la solitude. Parce que vous avez déjà essayé de vous suicider ou vous y avez pensé. Ici, on vous donne raison de vivre. Personne, aucune église, aucune religion, ces forces que vous dites, ne vous nourrit adéquatement pour faire face au temps actuel. Bon, ça y est, tous les pasteurs de toutes les dominations disent, bon, il faut bannir Johnny Millionnaire parce qu'il est un tel, de guider nos églises. Vous allez apprendre votre Bible ici, mieux que vous l'aurez appris n'importe où à travers le monde. Aucun planificateur financier peut vous aider dans ces temps-là. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Bon, c'est rendu que tous les comptables, les planificateurs financiers capotent là parce que je viens de ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne vous donnent pas la vraie information. En partant, ils ne savent même pas la différence entre un actif et un passif. Version riche. Un actif chez les riches, c'est l'argent qui rentre dans vos poches. Un passif, c'est l'argent qui sort de vos poches. C'est la base de toute économie. Toute vraie finance. Après ça, le reste. Quoi de... Qu'est-ce que vous voulez? Hein? C'est la dernière fois que j'ai cette vidéo blog là. Si vous n'aimez pas ce qu'on vous donne, ne le prenez pas. Il y a deux choix dans la vie. Réussir, vous donnez des excuses, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas. On se comprend? Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi, vous êtes mon ennemi. Qu'est-ce qu'on fait avec un ennemi? On l'élimine du circuit. Comment? Le monde invisible. Vous voulez me tester de ce côté-là? Allons-y de ce côté-là. Vous voulez apprendre c'est quoi? On va vous enseigner c'est quoi. Qu'est-ce que vous voulez plus? Plus d'informations? Allez, envoyez, envoyez. J'écoute. Ah, ok, là vous êtes satisfait. Ok, good. Bon succès.